En quoi consiste votre métier ? Mon métier d'agent immobilier consiste à, pour certains vendeurs, vendre leur maison, pour certains clients, trouver leur maison. Donc j'ai deux types de clients, les vendeurs et les acheteurs. Depuis combien de temps vous faites ce métier ? Ça va faire 10 ans maintenant que je fais ce métier-là. Et pourquoi vous avez choisi de travailler dans ce milieu ? Alors, c'était pour opportunité, en vue d'avoir une approche commerciale, d'avoir une approche clientèle. Et donc, bien sûr, dans le métier du commerce, il y a beaucoup de débouchés, mais le monde de l'immobilier permettait d'apporter un peu du rêve aux gens aussi également. Quoi. C'est un ensemble. Quels sont les avantages de ce métier ? La liberté, je dirais. On n'est pas contrainte par des horaires. Maintenant, ça peut être aussi l'inconvénient. On a une amplitude horaire assez importante. On peut commencer très tôt, finir très tard. Les perspectives d'évolution, bon, c'est vrai que c'est toujours suivant les attentes de chacun. Moi, j'ai commencé conseiller. Aujourd'hui, je suis responsable d'agence. Peut-être demain, je serai mon propre patron. Je pourrais peut-être changer de voie un jour, je ne sais pas. Quel est votre cursus scolaire ? J'ai un bac plus 2, justement, dans l'agroalimentaire. Et un bac scientifique. Maintenant, pas besoin vraiment d'avoir un cursus spécifique pour travailler dans l'immobilier. Pourquoi vous prenez des stagiaires ? Peut-être pour découvrir des futures perles qui viendraient travailler avec nous et rejoindre l'équipe, pour des fois nous filer un petit coup de main également aussi, hein, je veux dire, pour transmettre un peu le métier.